CQFR, émission quotidienne à partir de 8h. Bonjour et bienvenue à CQFR numéro 13. Aujourd'hui, je vais vous parler de phénoménale exposition de Lego qui a eu lieu le week-end dernier au parc d'exposition à Vendeuvre. Alors, c'est une exposition 100% Lego organisée par les amateurs de ce jeu. Les amateurs sont de tout âge. En déambulant sur les différents plateaux, même s'il n'y en a pas tant que ça, mais tous sont incroyablement fouillés, donnant à voir parfois des villes entières. L'attraction la plus poétique est le petit monde du cirque Pinder, rassemblé tout entier sous un chapiteau. Il y avait aussi des chefs-d'œuvre comme la réalisation de la Tour Eiffel par des Auxerrois. Elle était si haute qu'il a fallu plus d'un million de pièces, ce qui représente une sacrée patience pour mettre tout ça bout à bout. L'exposition était ouverte de 9h30 à 18h et il a fallu débourser 5 euros pour l'entrée et gratuit pour les moins de 3 ans. Je voudrais surtout remercier Karina qui a eu la bonne idée de publier les photos que vous venez de voir pour qu'on puisse tous s'extasier dessus. Voilà, je vous donne rendez-vous à partir de demain pour une nouvelle émission CQFR.